Mesdames et messieurs, une édition spéciale, vous le remarquerez, nous parlons essentiellement de Joseph Kabila Kabange. C'est vrai, cette émission, on n'en parle pas très souvent, mais là, il faut qu'on en parle. Vous le savez, l'émission de la fois passée a suscité un vrai, mais alors, déferlement au niveau des médias, les juristes et bien d'autres veulent parler de cette histoire. Et si Kabila revenait? Et si le vrai retour de Kabila était-il possible? Au regard de la loi, au regard de la Constitution et au regard de notre système politique, on en parle. Alors, la fois passée, il faut rappeler le contexte de cette émission. La fois passée, je recevais ici sur ce plateau Maître Richard Bondo, Maître Oscar Moubiaye. Les deux ont dit, en tant que juriste, que M. Kabila, c'était une histoire terminée. Il ne peut plus rentrer, il ne peut plus rentrer au pouvoir, c'est plus possible parce que la porte, elle est verrouillée et que la clé serait jetée dans les calendres grecs. Eh bien, d'autres ont dit, par contre, ce n'est pas vrai. Je rappelle que le professeur Néhémie Moulagna, par contre, lui, il a confirmé et affirmé que rien n'empêchait à M. Kabila de revenir. Dans le milieu des juristes, on n'a pas tenu compte de ses propos, parce qu'en se disant, n'étant pas du domaine, on comprend. Mais le professeur Néhémie a saisi, a retenu l'attention des gens pour des propos qu'il aurait tenus. Je cite ce propos. L'auteur de la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, a levé le voile sur l'avenir politique de l'autorité morale du FCC. Le 18 mars dernier, sur le plateau de TV5, Néhémie Moulagna avait déclaré ce qui suit. Joseph Kabila peut revenir au pouvoir quand il veut, car aucune disposition constitutionnelle ne l'interdit. Joseph Kabila, en quittant le pouvoir à 14 ans, est resté un acteur majeur de la politique. Il a une famille politique avec laquelle il faudra compter dans toutes les échéances électorales à venir. Et à 50 ans, je crois qu'il n'a pas pris sa retraite. Pour l'instant, il travaille sur sa famille politique et essaye de la sortir de la crise croissante, de la crise de croissance subie. Ne donnez pas une appréciation à tout ce dont vous assistez, c'est un peu des vivacités de toute sa famille politique, a poursuivi Néhémie Moulagna. Avant de conclure, mais tout cela devra se passer dans un processus électoral corrigé, parce que pour le moment, il est totalement biaisé et nous ne voyons pas poursuivre notre action dans ce cadre. Et cette déclaration a piqué au vif les politiciens et certains analystes. Et nous, Congo Buzz, nous avions enregistré une émission que vous voyez dans les images avec, avec Maître Bondo, celui-là. C'était une émission qu'on a tournée ici. Et puis il y avait Maître Oscar, il y avait le professeur Voto aussi, mais c'est plutôt avec Maître Oscar que le débat était beaucoup plus houleux sur la question. Messieurs et dames, je vous invite donc à suivre cette émission aujourd'hui. Je reçois sur ce plateau trois scientifiques. Monsieur Jean-Paul Kazamba, excusez-moi, Monsieur Jean-Paul Kazamba est politologue et communicateur du FCC. Monsieur Tony Eloho, j'ai bien le prononcé cette fois-ci, Monsieur Tony Eloho est politologue aussi et communicateur du FCC. Et Monsieur Samuel Monga, qui est communicateur et assistant du professeur Néhémie Moulagna. Donc vous comprenez tout de suite qu'il s'agit bien d'une émission de recadrage. Donc on va essayer de réfléchir au-delà de tout, scientifiquement, par quel mécanisme Joseph Kabila peut revenir en tant que président de la République. J'insiste pour dire que je ne suis pas co-débatteur de cette émission, je suis présentateur. Je me limiterai dans ma fonction de présentateur. Je n'essaierai pas d'être opposant non plus, apporter une contradiction, mais sinon, on va apporter de relance et certains éléments. Alors, maître, est-ce que vous êtes d'abord avocat? Je suis juriste, oui, effectivement. Vous êtes juriste, mais pas avocat? Effectivement. Très bien. Alors, vous êtes juriste, monsieur Samuel Monga, communicateur du FCC. Et vous êtes assistant du professeur Néhémie Moulagna. Exact. Alors, le professeur Néhémie pense que Kabila peut revenir. Est-ce que vous l'accompagnez sur la question? D'abord, monsieur Boussembe, je voudrais, au nom de toute l'équipe que vous avez bien voulu recevoir sur votre plateau, vous exprimer en fait notre satisfaction. Merci. De pouvoir prendre part à cette émission. C'est vrai que nous connaissons la ligne éditoriale. Ah, vous connaissez déjà ma ligne éditoriale. Émission. Nous ne sommes pas obligés de la partager, mais au moins de reconnaître les qualités techniques du travail que vous offrez en tant que journaliste. Merci. Je voudrais, si vous le permettez, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, permettre à mon collègue, puisque nous constituons un bloc,
un bloc de scientifiques, comme vous avez bien voulu le dire, à mon collègue Jean-Paul Kazamba, de pouvoir réagir. Ah, qu'on commence avec lui. Un instant, tout simplement parce que la fois passée sur ce plateau, il s'est dit beaucoup de choses. Des éléments scientifiques ont été avancés, mais aussi des propos jugés malveillants à l'encontre du professeur Némi Moulagna. Je voudrais donc permettre à mon collègue, le professeur mon collègue, le communicateur Jean-Paul Kazamba, de pouvoir s'exprimer brièvement sur cette question, parce qu'on n'est pas là uniquement pour ça. Et je pense que c'est important qu'on puisse éclairer la lanterne de vos nombreux téléspectateurs. Alors, je recommence à la police du débat, je recommence à donner la parole. C'est à vous de décider. Monsieur Kazamba, est-ce que vous pensez avoir été offensé, offusqué par les propos tenus par les invités de cette émission? Si oui, lesquels et comment réagirez-vous aujourd'hui? Merci Christian Osembe pour l'honneur que vous nous offrez aujourd'hui dans votre émission qui est très suivie, ça il faut qu'on la reconnaisse. Merci. Vous savez que dans notre pays, depuis 60, nous avons eu des directeurs de cabinet qui ont sillonné la présence de la République. Mm. Si vous prenez vers l'année 65, vous avez, pour ne pas abuser de votre temps, vous avez le professeur Mvonda au Tepamako, vous avez Mokonda Bonza et autres. Pour sauter Kabila qui n'a pas fait longtemps au pouvoir, vous avez Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, avec Kabila vous avez Beya Sikou, vous avez Remo Tibanda, vous avez aussi Boussé. Cheikh Tundu, quelque chose, non? Vous avez le professeur Némi Moulagna. Mm. Mais dans tous ces directeurs de cabinet, avec Mobutu, vous allez voir qu'il y a le professeur Mvunda qui a brillé dans sa fonction de directeur de cabinet avec Mobutu. Vous vous souviendrez même qu'il flouait même, quand Mobutu flouait l'opposition avec Tshisekedi, c'était avec le professeur Mvunda comme directeur de cabinet. Vous vous souvenez d'un acte de transition où on écrit un article, les premiers ministres provenaient de la famille politique autre que celle du chef de l'État. Alors quand Mobutu est rentré chez Mvunda, moi je n'ai pas envie que M. Tshisekedi devienne premier ministre. Mais dans cet article, on dit que le premier doit être issu de la famille politique autre que celle du chef. Dans cette famille politique autre que la nôtre, il n'y a pas que Tshisekedi. Là, Mobutu va nommer Ngonza Karelon comme premier ministre. Mm. Donc voilà un peu ce qu'a été Mvunda. Mvunda était au service du chef. En tant que directeur de cabinet, il était payé pour ça. Donc aujourd'hui, dans l'histoire de notre pays, si on doit parler de DIRCAB, ne pas parler de Mvunda, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle. Mm. Avec Joseph Kabila, même moi, je vous ai parlé de DIRCAB qui ont circulé, qui ont sillonné la présidence de la République. Mm. Mais dans tous ces DIRCAB, vous vous conviendrez avec moi que s'il y a un DIRCAB qui a laissé des traces indélébiles à la présence du professeur Némi Moulagna, c'est vrai qu'il est très mal connu. Plusieurs croient que Némi Moulagna a été directement parachuté DIRCAB de Kabila. Non. Il a été d'abord CP, chef de poule juridique, depuis 2005-2006, à la présence de la République. Donc tout ce qui était comme acte juridique, c'était Némi Moulagna. Si aujourd'hui, il y a les Congolais qui se plaignent, qui disent que Kabila était entouré de savants, mais si on doit parler du professeur Némi Moulagna, donc, qui d'autre quand Kabila disait qu'il n'était pas accompagné, qu'il n'avait pas 15 personnes, Némi Moulagna faisait partie aussi de ces rares personnes. Il faisait partie de ces rares personnes. Et le professeur Némi fait partie de ces rares personnes que le peuple aujourd'hui a besoin qu'il soit entouré par M. Tshisekedi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il s'est fait entouré par des juissés et des incompétents. Bah, c'est vous qui le dites. Mais les Congolais, sans vos propos, la plupart des Congolais reconnaissent aujourd'hui que Kabila s'était fait entouré par des savants. Mais des savants. Alors qu'on parle des savants, non, mais ça, il faut le reconnaître. Mais des savants que lui-même n'a pas reconnu. Il a reconnu qu'il n'en avait pas plus de 15. Oui. Raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, pour votre information, le DIRCAB Némi Moulagna est toujours aux côtés de Joseph Kabila. Jusqu'aujourd'hui, en tant que sénateur à vie. D'accord. Okay. Donc, à part ça, monsieur le journaliste, pour vous dire que Némi Moulagna a beaucoup fait dans ce que vous voyez comme à la présidence de la République, mais comme coordonnateur aussi de FCC. C'est avec Némi qu'on va arracher la primature
Les FCC cachent. C'est avec Nembe que nous aurons les deux chambres. C'est avec Nembe que nous aurons les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les ADG, les DG. C'est avec Nembe comme coordonnateur du FCC. Mais c'est avec lui que vous mais parlez de la majorité. Mais je voudrais aussi vous dire une chose, c'est avec lui Moussembe. Que vous parlez de tout ça, tout Monsieur ce cool. Moussembe, non. Vous savez, dans la classe politique, il y a des mercenaires politiques aussi. Il y a des gens qui ne voient que l'argent. Si Tisserès vient avec des paquets d'argent, vient avec des jeeps, qu'est-ce que vous voulez que Nembe puisse faire? Donc vous affirmez... Nembe a travaillé pour que l'FCD puisse avoir les deux chambres. Il a travaillé pour que l'FCD puisse avoir la primature. Il a travaillé pour que l'FCD puisse avoir le gouvernement puisse de toutes les provinces. Mais pourquoi vous mais dites si que... Nous, s'il vous plaît, il a en face. Je voudrais qu'on évolue. Pourquoi lorsqu'il s'agit des succès de Nembe Moulagna, vous le mettez dans le camp de l'idéologie, mais quand il s'agit des succès de l'autre camp, vous dites qu'on a mis des paquets d'argent et des jeeps. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui qu'on n'a pas fait à l'époque où M. Nembe Moulagna... Mais vous êtes au Congo, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une classe politique pourrie. En fait, ce sont des mercenaires politiques, des gens qui ne voient que l'argent. Mais que vous avez créé. Nembe a fait un effort pour qu'on ait des députés. Les députés sont là. Mais des députés manipulés par les pouvoirs actuels, qui est venu avec des jeeps, qui est venu avec des millions de dollars. Qu'est-ce que vous voulez que l'ennemi fasse à ce sujet? Ah, donc on comprend que donc, l'ennemi, c'était l'idéologie. Mais je voudrais aussi vous dire une chose, la mon corruption, frère. Très bien. Ok. Peut-être l'ennemi est aussi très mal connu. L'ennemi, il est professeur en droit de l'université de Kinshasa. Oui. Nous autres qui avons eu la chance d'être à l'université de Kinshasa, là-bas, on ne donne pas la charge horaire à n'importe qui. Hein. Il a fait les marchés publics, vous le savez. Je vous dis que là-bas, on ne donne pas la charge horaire à n'importe qui. L'ennemi a une charge horaire à l'université de Kinshasa. Il a une charge horaire à l'université protestante du Congo. Il enseigne ça, ce sont des universités. Il donne des droits internationaux. Il donne le séminaire des droits en première licence et en deuxième licence. Il donne la déontologie professionnelle. Donc, déjà, le fait qu'il ait une charge horaire, n'oubliez pas que nous avons des universités qui naissent comme des champions à Kinshasa. Mais l'université de Kinshasa n'est pas des moindres. L'université protestante du Congo n'est pas des moindres. Très bien. Moi, je il viens n'est de pas là, un professeur d'ailleurs. De mallette. Oui. C'est un professeur qui a une charge horaire à des universités très connues. Lorsque vous avez posé la question à mon collègue sur le retour de Joseph Kabila au pouvoir, mais Joseph Kabila revenu au pouvoir, en droit, il y a un principe de droit qui dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Toi, tu es là, journaliste, tu me montres lequel d'article qui interdit à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Que voulez-vous que je vous montre? Là où c'est écrit que Joseph Kabila ne peut pas revenir? Ou un sénateur à vie? Ou le principe? Non, dans la Constitution, montrez-moi l'article qui dit que le chef de l'État, Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, ne peut jamais revenir aux affaires. Mais comment vous prenez? Comment vous comprenez l'article 104 de la Constitution? Comment vous comprenez l'article 104 de l'article 108? Non, dis-moi cet article. Ok. C'est pas ici, c'est pas question de comprendre. Ici, si, non, mais sans compréhension, on ne pourra rien faire. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à interpréter la loi. Non, ici, si on n'interprète pas, on comprend. Oui, lequel d'article qui interdit à Joseph Kabila de revenir aux affaires? Alors, comment vous lisez l'article 107, pardon, 108, le paragraphe 9? Et il dit quoi? Le point 9, pas le paragraphe. Il dit ça. Le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat des sénateurs, vice-versa. Alors, ça, c'est le premier élément. Donc, les sénateurs... Son mandat est incompatible avec celui du député, vous le savez. Et puis, on va énumérer les autres mandats et les autres positions qui ne le permettent pas. Par exemple, le 9e, tout autre mandat électif. Ça veut dire que quand on est sénateur, que ce soit à vie ou sénateur, vous ne pouvez pas compétir à une autre élection, à un mandat électif. Est-ce que d'abord, on est d'accord avec cette explication? Ce qui n'est même pas une interprétation, c'est juste la loi. Est-ce que vous pouvez la lire? C'est là, elle est là. C'est l'article 108, le point 9. Oui. C'est vous qui prenez la parole ou c'est lui qui prend la parole? Comme vous voyez, hein, c'est votre jour, c'est votre émission. Nous sommes en train de nous compléter. Ok, allez-y. Il n'y a pas de souci. D'abord, M. Bossembe, vous avez fait référence à cette phrase prononcée, c'est vrai, le 18 mars, oui. Si je ne m'abuse, dans le journal Afrique de TV5 Monde. Et c'est vrai qu'il a affirmé clairement que rien n'empêchait au président honoraire de pouvoir postuler en 2023. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, et nous, en tant qu'analystes, nous mesurons les effets de choc de cette phrase. De notre point de vue, c'était de l'évidence. Mais nous constatons que, visiblement, il y a des personnes qui défendent des thèses contraires. C'est vrai qu'il y a deux ou trois semaines, vous avez reçu sur ce plateau
un groupe d'avocats qui ont tenté de présenter leur thèse. Une thèse contraire à celle du professeur Némi Moulania, mais aussi une thèse qui m'a paru cousue de fil politique. Je pèse bien mes mots, j'ai eu le temps de les écouter et de le suivre avec tout le respect que je leur dois, bien entendu. Ce côté de fil politique a donné une certaine inconsistance, voire même une incohérence à leurs propos. C'est pourquoi vous parliez tout à l'heure de recadrage. Merci de nous avoir tendu la perche. Et je vais donc, si vous voulez, m'introduire dans cette brèche. Allez-y, c'est votre temps. Lorsqu'on parle du droit constitutionnel, on le fait avec beaucoup de respect. Et quand on est juriste, on le fait avec une certaine révérence. Pourquoi ? Parce que c'est cette matière du droit qui concerne la loi mère, la loi fondamentale. Et donc, ce que je vais vous dire ici, je le fais avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec de la sérénité. Parce que j'ai la conviction que les arguments dont nous disposons ici battent en brèche ce qui a été présenté la fois passée, donc des arguments inconsistants. Lorsqu'on se pose la question de savoir si une personne peut briguer un mandat électif, et en l'occurrence un mandat présidentiel, en réalité, on se pose la question des conditions d'éligibilité. Et il faut se poser la question de savoir que dit la loi. Et nous sommes chanceux en RDC, puisque la Constitution n'est pas muette sur cette question. L'article 72. 72 de la Constitution. Je peux l'avoir, ma Constitution ? Je vous en prie. Merci. L'article 72, je vais le lire. Je note que l'article 104, on ne l'a pas encore répondu. Hein. On reviendra plus tard. Je vais y revenir. D'accord. L'article 72. On va y revenir progressivement. L'article 62, vous dites. Hein. 72 de la Constitution. OK. Voici ce que dit cet article. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Et la loi électorale, à laquelle il est fait référence ici, je signale au passage qu'elle a fait l'objet d'une certaine réforme récemment. Mais cette loi, en son article 10, comprend 9 causes d'inéligibilité. Et si vous lisez cette loi en son article 10, on n'a pas le temps de le faire ici. Non, moi je peux. Hein, sauf si vous souhaitez qu'on le fasse. Permettez-moi de les lire, pour besoin de transparence. Je vous en prie. Vous dites l'article 10. Oui, oui. Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Et d'ailleurs même l'énoncé le dit si bien, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques, les personnes condamnées par un jugement, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol et tout ça, les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée, le fonctionnaire et agent de l'administration publique ne justifiant pas la date limite de dépôt de candidature, les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques, les magistrats, les membres des forces armées, les membres du conseil social, économique et tout ça, et dans l'application des dispositions du présent article, la date limitée, tout ça. Parfait. Merci pour la lecture. Vous conviendrez avec moi qu'à la lecture de ces deux textes, l'article 72 de la Constitution, oui, ainsi que l'article 10 de la loi électorale, oui, il est clair qu'il n'existe aucune cause d'inéligibilité qui fait référence au statut de sénateur à vie. La loi est claire, ne faisons pas dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Par contre, tout à l'heure, vous avez parlé... Là, je suis un peu gêné, mais bon, on reviendra. Je vous en prie, on peut échanger, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes dans l'hypothèse de celui qui n'a jamais brigué un mandat présidentiel? Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, il n'a même pas encore prêté serment. Parce que la Constitution, comme vous le savez, c'est un fil conducteur. Ça commence de 1 jusqu'au dernier article. Ici, on est dans une hypothèse où la personne n'a jamais exercé cette fonction, jamais de sa vie.
C'est là qu'on est. Parce qu'on n'a même pas encore prêté serment, il n'y a pas encore autre chose. On est encore à ce niveau-là. Alors, comment vous faites, comment vous partez de là jusqu'au niveau du sénateur à vie qui n'a, il n'est même pas encore sénateur à vie puisqu'il n'a même pas encore fait un seul mandat. Très bien. Je ne voudrais pas jouer au professeur parce que je sens qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui possède aussi une portion non négligeable de ce savoir juridique. Je voudrais simplement rappeler qu'en matière de lecture ou d'interprétation des textes juridiques, il faut éviter d'isoler des textes. Il faut être sensible au poids des concepts. L'un des arguments qu'on avance, que le camp adverse avance, c'est celui des incompatibilités. Je voudrais ici poser un fondement de différence entre ce qu'on appelle les incompatibilités et ce qu'on appelle l'inéligibilité. Les incompatibilités concernent en réalité, si vous voulez, le refus pour la loi d'autoriser à ce que dans le chef d'une même personne, il y ait coexistence de deux situations juridiques que la loi estime comme étant inconciliables. Et donc, l'une des conséquences, et c'est d'ailleurs la conséquence majeure des incompatibilités, c'est essentiellement le devoir d'opérer un choix. C'est une manière de dire que ceux qui arguent ou qui pensent que le fait de parler des incompatibilités liées au statut du sénateur à vie implique qu'il ne puisse pas briguer un mandat, en fait, font fausse route, tout simplement parce qu'ils s'introduisent dans une brèche qui est claire, celle de la possibilité pour le sénateur à vie de pouvoir opérer un choix. Mais il n'y a pas de choix là-bas. Entre son statut. La Constitution n'en parle pas. Comment vous allez faire un choix avec un sort constitutionnel? Non, vous dites que la Constitution n'en parle pas. Comment? Non, mais comment vous allez faire un choix par rapport à quelque chose alors que vous savez très bien que c'est un sort constitutionnel? Un peu comme si on disait, vous êtes un homme ou vous vivez. Est-ce que vous allez faire le choix de dire, non, moi je n'y vis pas alors que vous vivez encore? Oui, vous ne pouvez pas faire le choix. En fait, vous faites allusion au statut de sénateur à vie qui fait débat. Alors, la grande question est se poser, est-ce que ce statut de sénateur à vie est une construction sui generis, c'est-à-dire une construction unique, aux Congolais? Je vais vous répondre que non. Ce n'est pas une nouveauté congolaise. Oui. Et vous savez que lorsque le juge constitutionnel ne s'est pas exprimé sur une question et que, par ailleurs, la doctrine est encore muette sur cette question, en tout cas la doctrine congolaise, il faut savoir que tout ce dont nous parlons ici est relativement nouveau parce que l'alternance, c'est quelque chose de nouveau dans notre pays, mais aussi toute cette construction démocratique. On considère la RDC comme un pays ou une démocratie émergente. Alors, lorsqu'on n'a pas ces éléments, on verse dans ce qu'on appelle le droit comparé. On essaye de voir dans d'autres, sous d'autres cieux qui ont des similitudes avec nous, des régimes ou des systèmes qui ont des similitudes avec le nôtre, pour essayer d'y tirer une lumière ou une source d'orientation. Alors, vous savez très bien, je ne vous apprends rien, que notre droit est d'émanation romano-germanique. Nous sommes proches du droit français et bien entendu aussi du droit belge. Et il y a une série de pays en Afrique. Trois pays, le Bénin, le Niger et la Guinée-Conakry. Qui sont tous des systèmes présidentiels, il faut signaler. Des systèmes présidentiels, des similitudes avec le nôtre, la proximité avec le droit français. Donc, la proximité avec notre système est évidente. Alors, je voudrais ici vous lire l'article 42 de la Constitution du Bénin. Allez-y. L'article 42 de la Constitution du Bénin, dans son premier alinéa, dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Alors, pour ceux qui connaissent notre droit attentivement... Si je lis l'article 70 c'est la même chose, de notre droit, je voudrais lire pour que les auditeurs comprennent. L'article 70. Voilà. On dit ceci, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au Bénin, il y a un deuxième alinéa qui dit ceci. En aucun cas, nul ne peut exercer
plus de deux mandats présidentiels. Pourquoi est-ce que je fais référence à ce deuxième alinéa? Simplement parce qu'au Bénin, on a compris que dans un régime couvert par ce premier alinéa, il y a débat, mais il y a surtout possibilité et autorisation pour celui qui est dans un statut à vie de pouvoir se représenter. Dans notre constitution, il n'y a pas ce deuxième verrouillage. Et je signale au passage que l'article 70 est intangible. Mais il faudrait qu'on aille doucement. Je rappelle aux téléspectateurs que je ne suis pas co-débatteur. Sinon, je brûle d'envie de participer à ce débat, mais malheureusement, ma posture de journaliste me l'empêche. Mais je voudrais tout simplement, avant de prendre Hello, je vais m'habituer, en les citant deux, trois fois, je m'habituerai. Alors, mais vous parlez d'abord, au début, vous dites que il faut faire intervenir le droit comparé, ainsi de suite. Notre question, ce n'est pas une question nouvelle. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas encore interrogé la Cour constitutionnelle sur la question. Donc, on ne peut pas parler d'un vide ou d'un silence. C'est parce que nous n'avons pas encore posé la question. Si nous posons la question, certainement, on nous dira qui a raison et qui a tort. Mais quand vous parlez de cet article, vous le savez très bien, cher juriste, la Constitution n'est pas un livre des bandits, ce n'est pas un livre des voyous, c'est un livre des civilisés. On ne peut pas tout écrire dans une Constitution. C'est que vous dites le deuxième alinéa. Est-ce que vous ne le trouvez pas dans l'article 220 où l'on parle de la durée et du nombre de mandats? Est-ce n'est pas suffisant? Parce que si vous lisez par exemple l'article de la Constitution, c'est la Constitution béninoise, vous dites? Oui, si vous lisez la Constitution béninoise, peut-être qu'ils n'ont pas cette insertion de la durée du mandat. Nous, on l'a dit déjà dans la durée du mandat, de mandat et la durée et le nombre, on a dit qu'aucun citoyen ne peut pas, c'est ça la compréhension, ne peut pas avoir plus de deux mandats. Donc quand tu as déjà fait le premier et que tu fais le deuxième, c'est bon pour toi. Alors maintenant, où est-ce que vous trouvez le lien entre ça pour expliquer la cause de M. Kabila? Après vous, on prendra la parole, monsieur. D'abord, permettez-moi de lire un extrait de doctrine. Le professeur Jean-Louis Essambo, dans son ouvrage « Traité de droit constitutionnel congolais », qui est un ouvrage qui fait référence. Page 180. J'aurais bien voulu l'avoir parce que je l'ai aussi au bureau, mais je ne l'ai pas amené. Par contre, j'ai pris d'autres ouvrages. Mais il n'y a pas de problème, allez-y. Page 180, voici ce que dit l'auteur. « La Constitution du 18 février 2006 n'exige du candidat président de la République que d'être congolais d'origine, avoir au moins 30 ans révolus, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas se trouver dans un cas d'incompatibilité prévu par la loi électorale. » J'en ai parlé, l'ancien président Joseph Kabila n'est pas concerné. « Modifié par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi électorale du 9 mars 2006 ajoute à ces conditions le niveau d'instruction d'au moins égal ou supérieur à celui de graduat ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif, économique et socioculturel. Ce rappel permet de retenir qu'en droit constitutionnel congolais, les conditions d'éligibilité du président de la République tiennent soit à la nationalité congolaise d'origine, soit à l'âge qui a varié entre 20, 30 et 40 ans révolus à la date fixée pour le dépôt des candidatures, soit à la jouissance des droits civiques et politiques et quelquefois au niveau d'instruction. J'ai envie de dire point barre pour simplement vous dire que aucune référence n'est faite au statut de sénateur à vie. Deuxièmement, je voudrais ajouter un élément. Quand je parlais de la référence à ce qui se passe au Bénin, je voudrais vous dire qu'en 1984, Giscard d'Estaing, qui était président, au terme de son mandat, il décide de briguer un poste de député. Il va s'en suivre en fait un contentieux avec ses adversaires qui ont estimé que son statut de membre du Conseil constitutionnel, qui est un statut à vie, ne l'autorisait aucunement à pouvoir briguer un mandat en tant que député. Et en décembre 1984, le Conseil constitutionnel de France a estimé que ce statut n'empêchait pas au président Giscard d'Estaing, à l'ancien président Giscard d'Estaing, de pouvoir briguer son mandat électif. Deuxième élément qu'il convient de clarifier. Donner la parole à... Je termine. Deuxième élément qu'il convient de clarifier. Il y a un jeu de concepts
La Constitution que vous avez lue et que je lis, en réalité, elle interdit ce qu'on appelle les mandats consécutifs, c'est-à-dire trois mandats consécutifs. Notre Constitution... Comment ça, trois mandats consécutifs? Je vais vous expliquer. Il y a une différence entre des mandats consécutifs et des mandats successifs. Les mandats consécutifs, ce sont des mandats qui se suivent en enfilade, sans interruption. Notre Constitution, qui n'a pas cette... Et le mandat successif, c'est quoi? Un mandat successif, c'est-à-dire que c'est un mandat avec intermède, avec interruption. En d'autres termes, quelqu'un peut exercer deux mandats de 5 ans, ensuite, il peut avoir un intermède et revenir après. Mais ça, ce n'est pas succédé, ce n'est pas successif, ça. Non, ce sont des concepts. Non, mais comment ça, ça va être des concepts qu'on invente sur le plateau? Je sais que le droit est un jargon fermé, mais ce sont des concepts. Non, mais... Alors, les Béninois ont répondu à vos préoccupations et à votre frustration, peut-être. Ah, pas du tout. C'est que... Pas du tout. Ils ont mis cette deuxième clause de verrouillage. Et il faut reconnaître que dans notre Constitution, dans l'article 70, qui est intangible, il n'y a pas cette deuxième clause de verrouillage. Mais parce que ça se trouve dans l'article 220, je vais te donner déjà les je signale que dans l'article 220 de la Constitution, dans le deuxième alinéa, voici ce qu'il est dit. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Le statut de sénateur à vie, c'est un droit subjectif. Là, vous avez lu quel article? L'article 220. Non, moi, je suis toujours dans le même article 220. Moi, je suis au niveau de la forme, de la durée des mandats, le nombre et la durée des mandats. Mais pourquoi vous faites la sélection de ce que vous voulez? Votre constitution date de quand? Non, mais comment ça date de quand? C'est la même constitution. Non. Il y a toujours des modifications. Il faut... Ah, on modifie la constitution en fonction de sa version? Il peut y avoir des modifications. L'article 220, là. Oui. C'est ici. Si, deuxième alinéa. Le vôtre, je suis d'accord. Deuxième alinéa. Vous ignorez nous sommes dont au deuxième alinéa. Ah, vous pouvez lire le premier alinéa. Si, je vous ai lu. Je vous ai dit la durée des mandats, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Non, c'était pour répondre à ça. Si vous me permettez, lisez un peu l'article 220, premier alinéa. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À ce niveau-là, il n'y a pas débat. Entre nous, je me suis déjà expliqué là-dessus. Je pense, je m'apesantis ici sur le deuxième alinéa. D'accord. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Pour dire quoi? Ce statut de sénateur à vie, c'est un droit subjectif. C'est un droit subjectif. On parle de droit viager, tout simplement parce qu'il est attaché à la personne à vie. La conséquence, c'est qu'il est incessible, il est insaisissable, il est intransmissible. Mais il est on ne peut pas l'interrompre aussi. Non, vous décidez de dire qu'on ne peut pas l'interrompre. Ah non, mais sont les bienvenus, les autres concepts sont chassés tout de suite. Nous échangeons. D'accord. Nous échangeons. Dans un scénario de mandat successif, l'interruption est tout à fait plausible. Deuxièmement, puisqu'il s'agit d'un droit subjectif et non d'une prison et d'une contrainte, il lui est loisible, non pas de renoncer, mais de suspendre l'exercice de son droit. Mais où est-ce que c'est écrit qu'il peut suspendre le mandat de sénateur à vie? Est-ce que c'est écrit? Je vous ramène. Oui. Essayez de, essayez d'arranger votre argumentaire. Le temps pour moi de poser la question à quelqu'un d'autre. Sinon, on risque de. Je ne voudrais pas. On risque de monopoliser la parole. Je ne voudrais pas vous contredire. Je dirais plutôt essayez de comprendre l'argumentaire. L'argumentaire que je présente ici est suffisamment clair. Arrangez-le, il n'y a pas de problème. Le temps pour moi de passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, monsieur Tony Eleo, on a pris 20 minutes avec lui pour comprendre la question. Je crois que les auditeurs et les téléspectateurs se font déjà une idée. Il est question du retour de Kabila. Pas parce que nous le voulons, pas parce que nous ne le voulons pas, mais est-ce que c'est ça ce que dit notre loi? Alors, vous, en tant que politologue, quel est votre point de vue sur la question? Vous êtes communicateur du FCC,
Dites-nous qu'est-ce que vous entendez par le retour de Kabila au regard de la Constitution, même si jusque-là, l'article 104 et l'article 108 sont en train de souffrir un peu. On n'a pas encore donné la réponse. Je crois que Maître va le faire dans peu de temps. Très bien. Déjà fait, d'ailleurs. Monsieur Boussembe, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation. Merci. C'est un plaisir. C'est la première fois pour moi d'avoir l'honneur d'être invité sur votre plateau. Merci. Dont je connais les largeurs, les profondeurs et les axes qui sont souvent développés, qui, à mon sens, contribuent également au débat démocratique. Merci beaucoup. Moi, je considère personnellement comme politologue, parce que je peux au moins me vanter de cette qualité-là. Je conçois que ce débat-là ne peut pas aujourd'hui être un bien privé de juristes ou d'avocats ou même de professeurs, simplement parce que c'est un débat fondamental. C'est un débat sociétal, mais c'est également un débat politique. C'est un débat qui questionne à la fois notre histoire comme peuple, comme nation, mais également notre régime politique actuel. Parce que, comme vous le savez, je peux au moins, pour ne pas contredire Samuel, au moins me faire autorité sur les questions des systèmes politiques et des régimes politiques. Donc je voudrais vraiment aborder cela et répondre également à ceux qui diront peut-être que nous sommes venus, il y avait avant des juristes, il n'y avait que des juristes, aujourd'hui le débat est varié. Et beaucoup plus ouvert parce qu'il y a, il y a un politologue, il y a deux politologues et puis un juriste. Et je crois que le politologue que je suis va faire l'effort de rester scientifique, bien que vous avez évidemment épinglé la couleur politique dont je suis tellement fier. Ici, il faut revenir sur ce qui intéresse les Congolais. D'accord. Joseph Kabila peut-il revenir au pouvoir ? Je me rappelle, vous avez parlé de contexte. Le contexte dans lequel cela a été dit, c'était une interview dans laquelle le professeur Némi Mulanya a clairement dit que rien ne l'empêchait au président Joseph Kabila de pouvoir se présenter à nouveau. Je pense qu'il faut revenir dans ce contexte-là. Le président Joseph Kabila n'a pas dit qu'il voulait revenir au pouvoir. La famille de Joseph Kabila n'a pas dit que le président Kabila sera candidat en 2023. La famille politique de Joseph Kabila dit ceci, que au cas où le président de la République voudrait, l'ancien président de la République voudrait se présenter en 2023, aucun texte ne l'interdit. Ne le lui interdit. Je voudrais revenir ici sur le contexte. Parce qu'ici, on parle de système politique, on parle de régime. Notre régime politique est un régime assimilé au régime français, je pense que nous l'avons dit ici. C'est un régime qui nous permet ainsi de nous de transposer un peu sur ce qui a été le statut des présidents de la République sous la Troisième République ou sous la Quatrième République en France. Peut-être en termes d'information, c'est important, nous parlons science, vous allez faire des recherches. Il n'existait pas de statut d'ancien chef de l'État dans ce pays-là, sous la Troisième République et sous la Quatrième République. Ce statut a été introduit dans la nouvelle constitution de la Cinquième République par le général de Gaulle. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a fait, et ça c'est un fait politique, voilà pourquoi moi je dis avec fierté que la motivation politique crée le droit. Le président qui a été élu, le président François, qu'est-ce que je dis ? Le général de Gaulle arrive et décide de pouvoir installer ce qu'il a appelé un statut spécial pour l'ancien président ou les anciens présidents de la Ve République. Mais beaucoup aujourd'hui de commentateurs ou d'analystes ont dit que le président de Gaulle l'a fait comme une espèce de remerciement en termes de reconnaissance pour le président René Corti qui lui avait permis d'accéder au pouvoir et lui permettre, comme président du Conseil, d'engager la France sur une nouvelle constitution. C'était d'abord une décision politique. Une décision politique qui marquait la reconnaissance d'un homme, le général de Gaulle, vis-à-vis de son successeur. Il est vrai que nous pouvons aujourd'hui, toute proportion gardée, nous dire que la reconnaissance dans le contexte congolais est un fait qui devient de plus en plus rare. On peut au moins le concéder. Mais moi, je m'attache à des valeurs et je considère sur ce fait-là qu'il y a eu une reconnaissance sur ceux qui ont servi la nation. Et c'est dans ce contexte-là de motivation politique qu'est né ce statut. Voilà. Mais aujourd'hui, M. Bossé... Qu'on lui a dit, bon, quand vous avez été président, quand vous avez géré, c'est pas bon que vous puissiez rester sans rien faire, devenez sénateur, mais alors à vie. On lui a dit, devenez membre du Conseil constitutionnel, et cela à vie. Là, c'est en France ou... Ça, c'est en France. Ah, je parle de la RDC. Non, ça, c'est en France d'abord. Et vous savez que ça fait 64 ans en France que ce débat continue. Il y a eu le cas Giscard, il y a eu le cas Hollande. Hollande, même devenu président, a dit « c'est impossible » parce qu'aujourd'hui, ce que fait la France est inexplicable du point de vue du droit. Mais c'est explicable du fait de la volonté politique qui crée aujourd'hui une obligation contraignante au système politique, celui de reconnaître à un chef de l'État le statut qui, bien évidemment, à la fois le protège, un peu comme se fait au niveau de l'Italie, qui est un régime semi-parlementaire, dont l'article, je pense, 59 dit très clairement que, sauf renonciation, l'ancien président de la République est sénateur à vie.
Je pense, je ne vais pas entrer dans un débat fermé juridique, mais je veux ici apporter les différents régimes et nous apporter sur le contexte qui a évidemment permis à ce que nous soyons dans le cas congolais dans cette situation-là. Et il est clairement dit, M. Bossembe, que ce que la loi n'interdit pas, ce que la loi ne dit pas, elle n'est pas interdite. Oui, mais ça, c'est dans donc, le jargon, c'est dans, oui, c'est dans les compréhensions, mais ce n'est pas non plus réglementaire. Lorsque vous me parlez de la loi sur le statut des anciens présidents de la République, cela a été fait quand même sous Joseph Kabila. Oui. Lorsque vous me parlez aujourd'hui de la loi électorale, celle qui est toujours en vigueur, elle a été faite sous Joseph Kabila. Toutes les lois jusque-là ont été faites par Kabila. Lorsque vous me parlez aujourd'hui de la Constitution de la République, celle-ci est l'œuvre de Kabila. Oui. Kabila, aujourd'hui, et ses hommes ont quand même, je pense, un minimum de prétention. Ils peuvent avoir cette prétention de dire, ils peuvent avoir une quelconque autorité de pouvoir apporter des suggestions, quitte, bien évidemment, sur les interprétations de ce qui devrait être. Oui. J'ai vu dans votre émission des juristes, des avocats venir ici, et j'ai même entendu certains professeurs d'université venir se donner autorité sur des matières dont ils sont totalement étrangers. Comme lesquels ? Lorsque aujourd'hui ou lorsque hier ces questions étaient abordées, beaucoup étaient à Djobourg, d'autres étaient en train de faire des échafaudages. Oui. C'est ça malheureusement la question. Oui, malheureusement faut c'est ça. Et il faut éclairer l'opinion. Justement, M. Tony, lorsque la Constitution. Permettez-moi, vous relance. Lorsque la Constitution américaine est écrite, il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés. Cela ne donne pas le droit à ceux qui ont participé à l'élaboration d'une loi de s'arroger le pouvoir de l'interpréter. Mais Monsieur Bossembe, nous avons nous encore la chance d'avoir le professeur Némi Moulania ici. Oui, mais il n'a pas d'autorité. Non, il n'a pas d'autorité, il ne s'en donne pas l'autorité. Voilà. Il a fait, lui, le réflexe d'une analyse qui a été contredite par des personnes avec, je ne veux pas aujourd'hui douter de leur qualité, mais des personnes qui se sont donné des prétentions qu'ils n'ont pas sur l'interprétation de dispositions en nous apportant une contorsion du droit qui n'a rien à voir avec les faits. Mais c'est de la politique. C'est de la politicaille. Jusque-là, je vous attends dans le fond. Mais sur la forme, vous réussissez. Non, attendez. Ouais, mais sur le fond, maintenant. Moi, je ne suis pas venu ici. Vous apportez le fond a été très bien abordé par mon collègue. D'accord. Je ne veux pas aujourd'hui vouloir que le débat, comme je l'ai dit, soit enfermé sur un juridisme qui, malheureusement, va nous dérouter parce que je l'ai dit très clairement. Il y a une motivation politique. Je l'ai expliqué dans le cas de la France. Je l'ai expliqué dans le cas de l'Italie. C'est écrit noir sur blanc dans notre constitution. Et il faut le revenir sur la volonté du constituant congolais, la volonté du législateur congolais. Pourquoi nous avons eu cette constitution? C'était une constitution de compromis. Il y avait des objectifs. Ces objectifs, c'était d'éloigner de nous le spectre de présidence à vie. Okay. Voilà pourquoi ces dispositions ont été mises. Mais ces dispositions, et même dans le complément du statut, le statut du chef de l'État, c'est d'abord à la fois parce que c'était pour nous la première expérience d'alternance démocratique, il fallait l'accompagner, il fallait donner les garanties de sécurité à la personne qui devait partir, comme la France. Et cela a été fait. Et vous savez, je suis fier d'être congolais. Aujourd'hui, un ancien président de la République en France n'a qu'un statut, je vais dire, honorifique, au-delà, bien évidemment, des différentes rémunérations. En Italie, il a même un statut, je pense, un régime d'indemnité, dans le sens où, d'immunité plutôt, le sens où il n'est pas poursuivable parce qu'il est sénateur à vie. Mais là-bas, il peut y renoncer. Mais ici, chez nous, dans le contexte congolais, peut-il renoncer ? Le législateur congolais n'a pas mis très clairement un verrouillage sur cette question, ce qui suppose, et là c'est le politologue qui parle d'autorité, qu'il n'existe qu'une seule, au-delà bien évidemment du verbiage et des contorsions juridiques, de pseudo-juridique, juridisme, ainsi de suite, il n'existe qu'une seule, issue à ce qui peut devenir une crise politique, c'est l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Très bien. Alors, avant de prendre M. Jean-Paul, je reviens à vous pour terminer cette question. Pourquoi, selon vous, un ancien président ayant brigué deux mandats en France ne peut-il pas revenir candidat aux élections présidentielles? Parce que la Constitution le dit. Est-ce que vous le avez... Le président Macron, aujourd'hui, qui vient d'être réélu pour un deuxième mandat, ne pourra pas parce que, très clairement, il est dit que le président de la République est élu pour un mandat une fois renouvelable. Mais c'est pas ce qui est écrit chez nous. Mais aujourd'hui, chez nous, parce qu'en France, il y a une révision constitutionnelle en 2008 qui a fait suite, évidemment, à la commission Balladur. Même avant la commission Balladur, il y a eu la commission Barthelone qui a statué sur les différentes réformes d'État. La question, je vous l'ai dit, ça fait 64 ans que les Français sont en train de réfléchir. Il n'y a pas d'issue. Mais aujourd'hui, le président Macron ne pourra pas se représenter à ce stade-ci. Mais il le peut, la Constitution le lui concède, comme
Hollande a voulu le faire, comme Sarkozy a voulu non, le faire. Non, Hollande a fait Macron, un seul mandat. Non, Hollande a voulu le faire. Oui. Ce sont les contextes, le contexte politique ne lui Hollande a pas permis. Hollande pouvait le faire, il n'y a Sarkozy pas de problème. Sarkozy pouvait faire, aussi le faire. Ici, je parle d'une interdiction formelle. Mais aujourd'hui, que vous en parlez aujourd'hui oui. Macron ne pourra se représenter, il ne pourra que se représenter après la prochaine élection. Son retour n'est pas compliqué, il n'est pas interdit. Ah, donc vous pensez qu'un président français après deux mandats peut revenir? Oui, président. Cela est dit. Très bien, c'est cela dit. Mais cela est dit dans la Constitution française. La Constitution française. Malheureusement, que j'ai quelques éléments de la Constitution française, mais où est-ce que cela c'est dit? Cela est dit très clairement. Mais dans quel article? Cela est dit très clairement. Est-ce que vous avez le temps de chercher l'article? On en reviendra, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Merci, merci beaucoup, M. Tony Hello. Alors, M. Jean-Paul. Je voudrais revenir avec vous. L'article 104 que j'ai demandé tout à l'heure, l'article 108, j'ai demandé, le politologue nous a parlé de la brillante compréhension de la politologie ou même de ce concept. Mais revenons sur la question. L'article 104 et l'article 108 font de M. Kabila un sénateur à vie. Et de ce fait, il lui est interdit de participer à un autre mandat électif. Ça veut dire même au sein du bureau, il ne peut pas compétir à un mandat électif. Par quel mécanisme va-t-il être candidat aux élections présidentielles? Christian Bossembe, je suis navré. Moi, je pense que lorsque nous prenons d'abord l'article 70 de la Constitution, l'article parle du président de la République. Le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Oui. On parle du président de la République, et non de l'ancien chef de l'État. Cet article-ci ne vise pas l'ancien chef de l'État, mais c'est un article qui vise les présidents en fonction. Oui, non, même pas en fonction, c'est le candidat. C'est le candidat, il n'est même pas encore président. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Oui. C'est-à-dire lorsque M. Tshisekedi il est là, il a droit à 5 ans et une fois renouvelable. Exact. On ne parle pas d'un sénateur à vie. Monsieur Bossembe, le sénateur à vie, c'est une sanction positive. Justement. Ce n'est pas une condamnation. Non, pas du tout. D'ailleurs, dans l'article 110 de la Constitution, je crois, alinéa 3, on parle comment un député ou un sénateur peut perdre sa fonction. Oui. On parle du décès, on parle de la démission. N'oubliez pas que lorsqu'on est sénateur, à vie serait-il, mais on est d'abord sénateur, on a des droits et qu'on a des obligations. Ah donc. Le sénateur à vie, c'est un droit subjectif. Un droit attaché à la personne de Joseph Kabila. Donc un sénateur. Qu'il peut suspendre. Ah, un sénateur. Attends, et un sénateur à vie, c'est la même chose. Comment? Un sénateur. Ils sont tous d'abord sénateurs. Ok. Ils sont régis par le même règlement. Ils sont tous d'abord parlementaires qui ont tous les mêmes droits et mêmes obligations. Ok. Mais le sénateur à vie va au-delà parce qu'il a une autre jouissance. Il a un autre droit plus que les autres. Lesquels? D'être sénateur à vie. C'est-à-dire qu'il ne va plus faire des exercices chaque après 5 ans. Qu'il va se représenter devant la population. Il est là, c'est une sanction positive. Kabila aujourd'hui peut dire que bon, voilà, je cesse d'être sénateur à vie, je vais faire l'agriculture. On va dire, allez au cachot parce qu'il a dit ça. Non, enfin, la Constitution a répondu à votre question. Il peut faire l'agriculture sans laisser ça. Là, c'est l'article 6 de la loi qui lui-même a promulgué. Les anciens chefs d'État. Lorsque vous parlez d'article 104, c'est-à-dire qu'un député, lorsque Julie, il est appelé ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suspendre sa fonction de député pour devenir ministre. Oui, parce que c'est ça aussi pour un sénateur à vie. Un sénateur à vie, je te rappelle, Bossembe, que ce n'est pas une condamnation. Vous avez le temps de c'est une sanction positive, comme vous avez droit, par exemple, d'un salaire. Oui. Vous pouvez dire que, bon, voilà, pendant 3-4 mois, j'aurai plus le salaire. Dans cette chaîne ici. Ça, c'est votre droit. Personne ne va vous interdire, bien que vous ayez un salaire de 100 000 ou de 100 000 dollars. Okay. Comme Donald Trump qui a renoncé à ça, pendant 2-3-4 mois. Mais je voudrais parler sur le plan politique. Mais on le lui a refusé, hein. On le lui a refusé. Il a repris son argent. Il a repris parce que pour l'Amérique, c'était un acte de rébellion grave. Il ne pouvait pas lui donner le droit de refuser. Juridiquement parlant, ça ne lui interdit pas de dire que bon, voilà, je n'ai pas. Très bien. Mais je voudrais parler sur les plans politiques, mon frère. On a fait 49 minutes sur la question. Vous savez tout ça dans notre pays, mon frère, aujourd'hui d'abord, lorsqu'on parle des articles verrouillés, lorsqu'on parle des articles verrouillés, ce sont des articles qui ne peuvent être que déverrouillés au travers d'un référendum. Les articles ne veulent dire que ce sont des articles qui vont rester comme ça à vie. Non. Ce sont des articles qui ne peuvent être révisés par une assemblée constituante, mais par le peuple, au travers d'un référendum. Comment ça? Lorsqu'on parle des articles verriers, ce sont des articles, c'est-à-dire que
Sa révision ne peut être, ne peut intervenir qu'au travers d'un référendum. Non, mais c'est pas possible. Comment vous dites ça? Non, mais c'est ça. Non, pas du tout. Non, mais la Constitution peut... Non, c'est ça. Ça peut passer par un référendum. C'est par un référendum. On peut revoir tous ces... Les articles, non seulement des articles verrouillés, ce sont des articles que la Constitution ne peut pas déverrouiller. Les députés ont dit, ils disent, bon voilà, il y a ça et ça. Mais lorsque le peuple, par exemple, s'il y a 100 000 personnes, ils disent, bon, il faut, par exemple, pour la forme de l'État. Nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Lorsqu'il y a 100 personnes, il y a 100 000 personnes. S'il pour qu'on traverse l'État unitaire, pour l'État fédéral, il faut dire que non, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des articles verrouillés, ce sont des articles de peut-être verrouillés par le référendum. Très bien. La forme de l'État, les régimes politiques, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc, tout ça ne peut nécessiter qu'au travers d'un référendum. Très bien. Mais je voudrais parler sur les aspects politiques. Bah, j'essaie de vous gérer le temps pour que maître puisse rencontrer son temps, son temps de parole. Il a plus beaucoup de temps de parole que vous autres. Nous, en on va essayer d'équilibrer. Nous, en sciences, nous disons, David Easton, le politologue américain, compare le pouvoir à la monnaie. Il dit, comme la monnaie subit des fluctuations, le pouvoir aussi subit des fluctuations, déjà inflation, déflation. Et il compare les opérateurs politiques aux banquiers. Les clients au peuple. Vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en face d'un pouvoir qui a subi, le pouvoir de Tigre a subi une fluctuation, déjà déflation. Que le peuple aujourd'hui ne se reconnaît pas au travers de ses pouvoirs. Raison pour laquelle vous voyez cet engouement populaire qui demande bec et ongle le retour d'abord de Joseph Kabila. Ça, c'est sur le plan politique. Vous savez, mon cher frère Bossembe, si on devait être en face aujourd'hui d'un pouvoir qui a si bien géré ses pays pendant les 3 ans, personne ne parlait de Kabila. Il suffit d'avoir des dirigeants responsables avec une gestion saine de la chose publique. Personne ne parlait plus de Kabila. Bon, si, aujourd'hui, sinon, si aujourd'hui, si aujourd'hui il y a ce débat, là, on parlera de ce là, que, vous, parle de ce plan, que le régime là, passé a fait, donc ça sera long. Ça va être long pour rien. Là, je parle sur les plans politiques, parce qu'il y a des espoirs politiques aussi. Oui, oui. S'il y a débat houleux aujourd'hui sur cette matière, c'est parce qu'il y a d'abord acharnement politique. Vous savez, il y a ce qu'on appelait la loi Tchani aujourd'hui, où on dit qu'il faut, pour devenir chef d'État, il faut être congolais, par exemple, à 100%. Donc moi, je crois que ce sont ces genres d'acharnement qui sont en fait consécutifs à la même gestion du pouvoir actuel. Un peu comme le pouvoir passé, que moi, où je on chassait Katumbi, moi, je pense, où on arrêtait Diongo, on arrêtait Diomingo, là, on tue. On risque de faire des mélanges comme ça, ça ne sera pas bon. Allez-y. Non, ne vous en faites pas. Sentez-vous à l'aise. Moi, je pense que si Tshisekedi, aujourd'hui, s'il avait transformé le Congo, l'Afrique, l'Allemagne d'Afrique, comme il le disait. En 3 ans, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait dû même demander à Kabila de venir postuler. Comme ça, on saurait voir comment il aurait bâti Kabila à plat de couture. Donc vous mais s'il y a des débats comme ça, des politiciens. En 3 ans, qui disent réussir, que là où 17 ans, 18 ans, on n'a pas réussi. Mon cher frère, moi, les pays sont en train de reculer. Il y a un recul total. Que toi, à moins que tu sois fanatique. Comment ça? Les pays sont en train de reculer. Non, pas du tout. Le niveau où Kabila nous a laissé aujourd'hui, il y a un recul total. Même un enfant de 5 ans, laissé aussi. Donnez-nous deux secteurs où vous avez Kabila réussi. Kabila a laissé le dollar. Oui. Merci. Okay. Kabila a laissé le dollar à 16. Aujourd'hui, le dollar est à 22. Kabila a laissé un sac de riz. Parce que, alors, dans des. Hein, dans le commerce de Kabila a laissé un sac d'haricots à $150. Aujourd'hui, c'est à $250. Non, monsieur. Moi, je crois que même là, vous voulez énerver le Congolais. Non, monsieur Jean-Paul, vous n'allez pas descendre si bas comme ça. Kabila a laissé les dollars à combien? À 160. Il a trouvé à combien? Comment? Il a trouvé à combien les dollars? La raison pour laquelle ça devait être à 200 mètres. Non, mais arrêtons ça. Kabila a trouvé vos histoires là de coca. Il a trouvé le dollar à combien? Arrêtons ces débats-là, ça nous en a pas. Non, permettez. C'est pas le lieu. Je termine. S'il y a quelqu'un qui devait pleurer de la façon où il a hérité la chose publique, c'est Kabila. Pour avoir fait quoi?
Souvenez-vous, non, je ne sais pas si vous. En 97, notre Mobutu quittait ce pays. Oui. Le Congo était à quel état? Oh, mais qui ont fait la guerre? Qui ont fait la guerre? Mais là, je parle d'autre chose. Qui a fait la guerre? Non, moi, j'ai dit que lorsque Kabila est venu au pouvoir, lorsqu'il a reçu le pouvoir entre les mains de Mobutu, parce que nous ne parlons pas de Moïse Kabila. Non, Kabila n'a pas reçu le pouvoir entre les mains de Kabila de Mobutu. Kabila a reçu le pouvoir entre les mains de son père. J'ai choisi de m'adresser à un grand journaliste. Merci. J'ai dit que Moïse n'a pas fait longtemps au pouvoir. Ne parlons pas de Moïse. Mais il a fait trois ans. Mais pourquoi vous voulez... Non, moi, ce que je ne comprends pas, quand il s'agit de Kabila, vous dites ne parlons pas de lui parce qu'il a fait trois ans. Mais quand il se parle de Tshisekedi, vous parlez de Tshisekedi qui devait régler les problèmes de 18 ans. Je ne comprends pas la logique. Non, je ne dis pas à Tshisekedi de régler les problèmes de 18 ans. Mais nous disons que l'endroit où Kabila nous avait laissé, on aurait dû voir Tshisekedi exceller dans ça. Mais aujourd'hui, tout le monde... Laissez prétendre qu'on est en train de les reculer et d'une façon vertigineuse, monsieur Christian Bossembe. Très bien. Le fait de pleurer, quand tu essaies de pleurer, moi, ça me fait très mal au cœur. Parce que les pleurs, les larmes que tu essaies de verser aujourd'hui sont des larmes de crocodile. Les vraies larmes que Bossembe, c'est en principe qu'il aurait dit le verser lorsqu'il avait eu le pouvoir en 2001, parce que je vous dis que Moïse n'a pas fait longtemps. Disons qu'il a eu le pouvoir entre les mains de Mobutu. Le pays était à quel état? On n'avait pas de route, on n'avait pas une armée, on n'avait aucun char de combat, aucun avion de chasse. C'est pas vrai. Mais ça, je vous dis, tous les moteurs des chars de combat étaient transformés à des moteurs de bateaux. C'est pas vrai. Mais je vous dis des choses, je ne sais pas si vous dites à qui. Monsieur Jean-Paul. Donc c'est Kabila qui devait pleurer. Kabila trouvait la caisse de la banque. Il n'y avait rien. La caisse était vide. Mais tu sais, il a la chance de trouver plus d'un milliard et 800 millions de dollars américains. Donc aujourd'hui, les débats sur le retour de Kabila, Bossembe, ce débat, c'est un acharnement politique. Allons-y dans ces débats-là. Parce que si tu sais, Kabila a laissé combien en termes de dollars dans plus d'un milliard 800 millions de dollars. Vous savez, on en a combien aujourd'hui? Combien qu'on a? 5 milliards. Avec tout ce qu'on a. Non, est-ce que vous savez? Je vous donne des chiffres. Monsieur Jean-Paul, je vous donne des chiffres, c'est à vous d'aller les vérifier. Aujourd'hui, on a près de 5 milliards de dollars. Monsieur Kabila a laissé la mobilisation des recettes à 800 000. Aujourd'hui, on en est à 1 milliard 600 millions. C'est les chiffres. Pour le mois d'avril seulement. Vous avez dit ce qui a au moins contracté au moins une dette de plus de 7 milliards de dollars à l'espace de 3 ans. Par rapport au Mobutu qui a fait 32 ans, nous avait laissé une dette de 14 milliards. Et Kabila a laissé une dette de combien? Kabila, ouais. il n'avait rien laissé comme dette. Oh. Par rapport à Tshisekedi, pendant les trois ans, moi je pense que... Vous êtes formidable, vous savez, non. Je vous inviterai de temps en temps dans les débats parce que vous êtes formidable. Je suis navré de ne pas reconnaître les mérites de Kabila. Je suis navré de ne pas reconnaître que ce débat est un acharnement politique. Ah, moi, je crois que si tu avais bien relevé ce pays, il aurait dû être très joyeux de voir Kabila postuler pour qu'il soit bâti à plat de couture. Très bien. Mais il a peur parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui est en train de réclamer Kabila. Vous allez voir que c'est pas plus tard qu'une semaine, il y a eu la Tchang qui disait que non, 2023, c'est trop l'heure. Aujourd'hui, il faut qu'on les ramène au palais de la nation. Très bien. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Vous allez prendre la parole après pour clôturer. Et puis, comme on a 58 minutes déjà, je crois qu'il nous reste plus que 10 minutes pour terminer cette émission. Alors, je reviens à vous pour rééquilibrer la parole, hein, parce qu'on va venir avec M. Samuel. M. Tony, est-ce que vous pensez que ce débat est un acharnement, comme le pense M. Jean-Paul? Parce que je ne voudrais pas qu'on ait des débats économiques, après ça nous fait perdre du temps. Je voudrais qu'on reste sur le principe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà fait deux mandats, par exemple, notre constitution lui dit, vous ne faites que deux mandats, vous ne faites pas plus de trois mandats, vous faites deux mandats. M. Kabila a fait les deux mandats. En plus même de deux mandats de M. Kabila, il faut ajouter la date de 2001 jusqu'en 2006 et puis 2016 jusqu'en 2018, donc pratiquement 18 ans. Est-ce qu'il est aujourd'hui normal, est-ce qu'il est aujourd'hui concevable que celui qui a déjà fait deux ans, qui n'est ni demandeur, qui ne veut, qui, comme vous l'avez dit, il n'a pas demandé de revenir, mais que c'est son entourage puisse dire qu'il veut revenir. Interdire ces débats, c'est un acharnement, vous pensez? Monsieur Bossembe, je pense que, avant, je voudrais d'abord répondre rapidement. Vous m'avez posé la question sur la Constitution française. Oui. J'aime cette curiosité. Je voudrais y répondre rapidement. J'ai retrouvé le texte de l'article 6 de la Constitution qui dit ceci. Française, je précise. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut, alinéa 2, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Alinéa 3,
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Ça, c'est l'article 6 qui a été modifié, évidemment, comme je vous l'ai dit. Il y a eu différentes commissions qui ont travaillé sur les réformes des institutions. La dernière a été la réforme de la commission Balladur, qui a permis notamment au président Sarkozy d'aérer un peu le régime politique et le système politique. Donc, de ce fait, ici, je réponds à votre question. Je pense que la nuance pourra être insistée par mon collègue. Il n'y a pas de nouveau par rapport à ce que nous avons, c'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Donc, M. Macron pourra évidemment, après un intermède, se représenter pour un prochain mandat. Évidemment, non, non je vous le dis. Tout, non, je vous assure. Pas du tout. Non, monsieur, évoluant. Non, attendez, évoluant, c'est du français quand même. Évoluant. Non, c'est, on parle de mandat consécutif. C'est le mandat consécutif. Ok, d'accord. Je pense que c'est du français. C'est mieux, allons-y. Allons-y d'accord. Donc, vous avez parlé d'acharnement politique. Non, moi, non, j'ai repris la parole de Maître Jean-Paul. Est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement politique aujourd'hui que de dire que Kabila ne pourra plus revenir au pouvoir? Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement ou vous pensez qu'il s'agit d'un refus de droit à l'autre, d'une certaine volonté de bloquer l'autre ou de l'empêcher tout simplement, des restrictions? Non, je pense qu'il faut être honnête pour dire une chose, c'est que le constituant, ni le législateur d'hier et d'aujourd'hui n'ont fixé de cas qui empêchent au président Kabila de se représenter. Mmh. Ça, c'est un fait. Il n'y a aucune volonté d'un quelconque législateur ou constituant qui aurait bloqué cela. Il est dans la plénitude de la jouissance de ses droits comme citoyen et dans les cas tels que fixés par la loi, il se décidera. Aujourd'hui, il n'appartient pas à sa famille politique ou à un quelconque proche de venir parler en son nom. Le président Kabila se déterminera. Si aujourd'hui ma famille politique est aujourd'hui en train de venir en avant, c'est parce que nous avons senti que certaines intelligences malsaines, malicieuses et malhonnêtes se permettent ainsi d'incursion dans le débat politique pour préparer un blocage pour le président Kabila. De dire, au nom du droit, un droit qu'ils connaissent grâce, je ne sais pas par quelle magie, des affabulations et des incantations juridiques que certains se permettent de faire, ils font dire à notre constitution les choses qui sortent directement de leur propre cerveau et des beaux diplômes que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont ramasser. Et ils se permettent d'autorité de venir sur des plateaux de télévision et se faire des professeurs d'université. Je respecte les professeurs d'université, mais je me méfie de ces professeurs d'université qui veulent utiliser la science pour justifier des petits coups politiques, ça, on en a connu amuser, beaucoup, hein. Pour amuser leur famille politique. Ça, on en a connu la beaucoup, question est très grave. Beaucoup, en tout cas, la question n'est pas juridique, oui. La question n'est pas politique. La question, elle est dans l'âme même de notre nation, dans l'âme de la République. Il appartient aujourd'hui à tout un chacun de veiller au sérieux et à la gravité de la circonstance. Aujourd'hui, vous savez, M. Bossembe, il y a un politique ivoirien qui a dit au moment de la crise qu'a connue ce pays, que l'ostracisme conduit à la guerre. Des mots graves, juste pour dire que cette tendance que l'on sent se développer via certains de nos anciens partenaires est une tendance qui veut exclure ceux qu'ils considèrent les adversaires les plus sérieux. Voilà pourquoi j'assume ce propos pour dire et alerter l'opinion, alerter notre classe politique de ne pas commettre l'erreur de considérer aujourd'hui que l'objectif politique de certains serait d'empêcher à Joseph Kabila de se présenter à la prochaine élection. Laisser à Joseph Kabila le soin de se décider tout seul. Moi, comme membre de la famille politique de Joseph Kabila, je défendrai ce droit. Très comme bien. Républicain, comme citoyen, mais surtout évidemment comme évidemment acteur politique. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup, M. Tony. Et Léo, on termine. Alors, on termine avec vous, M. Samuel Monga. Supposons que, au moment des élections, M. Kabila postule et qu'il va, par exemple, postuler. Et que les côtés adverses estiment qu'il n'a pas le droit, ils saisissent la Cour constitutionnelle. Et que la Cour dit le droit que M. Kabila ne peut pas se représenter, tout simplement parce qu'il a épousé tout son réservoir constitutionnel. Je parle ici de tous ses avantages constitutionnels. Est-ce que vous allez accepter la décision de la Cour constitutionnelle ou vous allez dire encore que la Cour est achetée et qu'elle a dit politique au lieu de dire droit? Merci, Monsieur Bossembe. J'ai senti une belle émotion sur votre plateau. C'est sans doute parce que vous savez provoquer vos invités et les pousser à,
à vomir ce qu'ils ont de J'ai réussi profond. À le faire avec M. Tony, ça a marché. Là, j'ai senti les peines qui parlent, l'âme qui parle. Et puis là, avec M. Jean-Paul, c'était très heureux parce que là, il a senti des choses. Je vous ai senti amoureux de l'article 104 et 108, oui. de la Constitution. Oui. Je suis aussi amoureux, mais de toute la Constitution et de toute la loi. Oui, exactement. Il ne faut pas faire les tri. Vous n'ignorez pas le statut, la loi portant sur le statut des anciens présidents. Je l'ai ici avec moi. En son article 6, je peux le lire, qui dit ceci. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Parfait. Et que dit l'article 108 de la Constitution? Alors, l'article 108 de la Constitution, c'est le mandat des députés, est incompatible avec le mandat des sénateurs à vie, les mandats des députés... Avec le mandat de sénateur et vice-versa. Oui. Et le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Mais on en a parlé, membre du gouvernement. Très bien. Je vais rassurer M. Jean-Paul qu'il peut faire l'agriculture sans problème. On ne l'interdit pas de faire l'agriculture puisqu'il le fait déjà. Et puis tout autre mandat électif. Très bien. C'est là où moi je suis. C'est le mandat électif. Très bien. Voilà. Je voudrais juste faire deux observations. La première, c'est que vous remarquerez que le régime d'incompatibilité auquel le statut ou la loi portant statut d'ancien chef d'État fait référence n'est pas un régime d'incompatibilité exceptionnel, c'est-à-dire uniquement conçu, propre aux sénateurs à vie. Il concerne les députés et les sénateurs. Je ne vous apprends rien, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le droit au retour. C'est quoi le droit au retour? C'est cette faculté, puisque nous sommes en matière d'incompatibilité et non d'inéligibilité, c'est-à-dire nous sommes dans un secteur où il faut opérer un choix, le droit au retour permet à un député qui a été élu de pouvoir intégrer l'exécutif en suspendant, pas en renonçant, en suspendant à l'exercice de sa charge publique, en l'occurrence celle de député. Et donc, puisque cette référence, ce renvoi, concerne les députés et les sénateurs, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas des incompatibilités spécifiques aux sénateurs à vie. En d'autres termes, je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est loisible, et je le dis, il faut que les Congolais qui nous suivent l'entendent, il est loisible, au terme de la Constitution, au président honoraire, en tant que sénateur à vie, de pouvoir opérer un choix entre son statut de sénateur à vie et sa volonté de pouvoir briguer un mandat électif, en l'occurrence celui de président de la République. Attention, il ne s'agit pas d'une renonciation. On ne renonce pas à son droit ici. Il suspend. D'accord. Très important. Le droit, ici, on peut suspendre, mais on ne peut pas le renoncer. Non, il ne renonce pas, parce que c'est un droit viager. D'accord. C'est un droit viager, attaché à lui à vie. C'est ainsi que, comme c'est attaché à lui, à sa personne à vie, vous remarquerez qu'il n'y a pas de suppléant. Alors, je voudrais terminer en disant... Non, il peut devenir président de la République tout en gardant son statut de sénateur à vie, mais suspendu. Suspendu. Justement, il est président de la République, il garde son statut de sénateur à vie, mais suspendu. Exactement. Suspendu. D'accord. Il choisit d'exercer un droit subjectif librement. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. Votre question par rapport à une éventuelle décision de la Cour constitutionnelle, alors je vais être élégant et imaginer qu'il s'agit d'une question fair-play. Je n'irai pas jusqu'à penser que vous êtes déjà en train de me révéler une stratégie. Laquelle? Celle d'une probable décision. Mais on finira par là. Tout le monde sait. Je n'irai pas. Tout le monde sait qu'on ira à la Cour constitutionnelle. Si jamais vous allez dans ces choses-là, on sait comment ça se passe. C'est vous qui le dites. Et visiblement, vous connaissez déjà l'issue. Ah, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben, ça se passe que vous allez aller à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va dire le droit. Un camp ne va pas accepter ça. On va passer dans les médias étrangers pour dire que visiblement, on a dit politique. C'est un peu comme on a fait à l'époque. Mais non, mais pourquoi? Parce que vous présumez déjà qu'il y a un camp qui ira dans les chaînes internationales. Si, ça sera comme ça. Donc, vous l'avez déjà identifié.
identifié ce camp-là. Bien, on sait. Les, ben qui... perd... les camps de perdants. La personne. Mais après, je parle d'un acharnement. Non, il n'y a pas un acharnement. Permettez-moi de terminer, monsieur. Souvenez-vous qu'on a saisi la Cour constitutionnelle à l'époque, je ne me rappelle plus. Monsieur Chadar, qui même s'était opposé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à l'époque, on avait saisi la Cour constitutionnelle parce qu'on estimait, on estimait, on estimait. J'ouvrais simplement une parenthèse parce que je sentais une belle inclinaison dans votre chef. Il a le don de divination. Mais, on sait, quand on a vécu, en fait, on dit quand on a été mordu par un serpent, on a même peur du bois qui jonche l'eau. Non, moi je ne crois pas. Lorsque nous avons été mordus par un serpent, on en tire la sagesse et on fait mieux. Ah, mais on sait pas. On a peur de tout ce qui bouge. On ne se complaît pas. Allez, oui, je voudrais simplement Je veux terminer. Ça veut tout simplement dire, quand on a vécu dans un pays comme le nôtre et que l'on connaît l'habitude des hommes politiques et que l'on connaît comment les acteurs politiques de notre pays font des choses, on n'a plus besoin de prophétiser. On sait comment ça va se passer. Je voudrais simplement terminer en disant ceci très rapidement. Votre question me permet de relever des préoccupations. Un processus électoral, ce n'est pas un jeu dans une démocratie émergente. Et je sais que vous êtes un journaliste curieux. Vous savez que dans une démocratie émergente, dans l'urne, on dépose plus qu'une voix. On y dépose même parfois la stabilité et même la sécurité, et même le développement et le progrès d'une nation. Et je pense qu'un processus électoral qui se veut crédible, surtout après une alternance démocratique, doit rencontrer les exigences que l'on retrouve non simplement dans notre constitution, mais aussi dans une série de standards internationaux. Nous appartenons à la SADC, il existe un document, je vous le ferai parvenir, sur les standards électoraux. Mais aussi, nous appartenons au Concert des Nations. Sur le plan international, il y a des standards internationaux, mais aussi des standards au niveau européen qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est que ou comment permettre à ce qu'il y ait une élection crédible. Alors, il y a un problème aujourd'hui, c'est que le bureau de la CENI ne rencontre pas cette exigence de consensus. Ça, on en parlera un autre jour. Deuxièmement, cette Cour constitutionnelle, la fameuse Cour à laquelle vous faites allusion, j'ai évidemment un respect profond pour ces éminents juristes qui y sont, mais je comprends qu'ils sont appelés à jouer un jeu truqué. Un jeu truqué d'avance, pourquoi ? C'est une cour qui est constituée sur une base contra legem, une base qui ne respecte pas les principes de notre constitution. Ça serait notre débat. Nous espérons, M. Bossembe, que lors d'un prochain débat, on pourra y revenir. Merci. Je vous renvoie enfin à l'ouvrage du professeur Nebi Mwilanya. J'ai senti en vous l'amour des bilans. Alors, il a embrayé, on n'a pas ce temps, mais je crois que c'est un ouvrage relativement complet. Est-ce que pourriez-vous me le donner ? Mais bien sûr. Je serais très content. Nous vous l'offrirons. Merci. Je vous en prie. Dites merci d'abord au professeur Nebi Mwilanya pour qui j'ai beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect. Et puis, je crois qu'il le sait. Et que je voudrais bien avoir son livre, le lire, et au besoin d'organiser une émission avec lui pour que l'on parle. Et on va comparer son livre avec des rapports internationaux et nationaux pouvant nous permettre de faire une très belle émission. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Samuel Monga. Comme vous êtes communicateur et assistant du professeur Nebi Mwilanya. Merci à vous. Et merci beaucoup, monsieur Tony Eloho. Vous êtes politologue. Merci d'être passé. Et merci, monsieur Jean-Paul. Vous êtes aussi politologue. Merci. Je serais très content de vous inviter prochainement dans une autre émission, si ça vous intéresserait, de bien parler des questions politiques, des questions de gouvernance. Alors, est-ce que vous êtes, pour vous, juriste, est-ce que vous êtes prêt à affronter ceux qui ne pensent pas comme vous sur la même question? Oui, absolument. Le droit est une matière objective, elle est froide. Il ne faut surtout pas y mêler des sentiments politiques. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes donc saisis. Si ça vous intéresse et que vous avez des arguments, pas d'insultes, pas d'attaques, pas de combats inutiles, pas du militantisme, mais si vous avez des arguments, eh bien vous pensez que M. Kabila ne doit pas revenir et que vous avez des arguments. Je ne parle pas ici aux émotions, aux candidats, aux éléments constitutionnel, tout peu élément politologie, tout peu élément politique, tu peux amener et on va discuter. Et bien, vous pouvez appeler au numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. Monsieur Eloho, vous êtes senti à l'aise, je pense. Très bien. Très bien. Merci. Monsieur Jean-Paul, vous étiez bien à l'aise? Très bien. J'étais presque comme à la maison. Merci beaucoup. Alors, le plateau est ouvert donc à vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.